Octobre Rose est une campagne annuelle mondiale de communication destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. À la question de savoir si la population est informée sur le cancer du sein, cette info a tendu son micro. Cancer du sein, j'en ai entendu parler, mais sinon je ne connais pas. Le cancer du sein, ce n'est pas exclusivement réservé aux femmes. Il faudrait que les hommes le sachent. À part le fait qu'il y a une boule dans le sein, c'est tout ce que je connais. À part ça, je ne connais plus d'autres. Je ne sais pas comment elle se transmet, comment après ça elle est retombée, je ne connais plus. J'ai pas trop d'informations sur le cancer du sein en question en fait. Mais une chose qui est sûre, c'est le fait que c'est une maladie qui est vraiment très dangereuse. Là, je peux l'avouer. Il peut y avoir des hommes qui peuvent avoir ce genre de pathologie. Mais pour véritablement le savoir, c'est toujours, on dit, hein, le bilan de santé. Pour mémoire, je sais qu'il y a un acteur qui a son père qui avait ça. Et lui, il a trouvé ça bizarre, un acteur aux États-Unis. Ça arrive à tout le monde. D'autant plus que les hommes ont des seins comme les femmes. Donc, ça peut arriver à tout le monde. J'ai été victime. En tout cas, j'ai suivi des personnes qui avaient cette maladie-là du cancer des seins. Et j'étais impuissante. Je n'ai pas pu faire quelque chose pour les sauver parce que je ne savais pas vers qui me tourner en fait. Et bon, elles sont passées. Mais c'est quand une personne voilà, a cette maladie que les personnes commencent à voir le regard. C'est même pas seulement à Bobo, hein. Qu'on soit à Cocody, à Yopougon, à Makori, c'est le même regard, quoi. On se dit, c'est une maladie peut-être qui est dans l'imaginaire des gens. Il faut forcément que quelqu'un soit témoin de ça pour que ça impacte véritablement son alentour. Mais je pense qu'avec plus de motivation, avec plus de, comment je dirais, de volonté là, on peut lutter contre cette maladie qui est le cancer des seins afin de sauver des vies au fait. Et quand on constate qu'il y a une boule dans le sein, il faut rapidement rencontrer un praticien pour éviter que ça développe voilà, le cancer. Donc c'est un peu ce que je veux dire quoi, en tant que profane.